S'appuyer, c'était bien s'entourer, notamment s'entourer de personnes qui étaient en cheminement ou qui étaient voilà, dans la foi. Mais je sais aussi que vous faites partie de ceux qui disent que les musulmans doivent s'ouvrir aux autres, notamment à ceux qui n'ont pas forcément de foi, qui sont même athées. Donc comment les musulmans ils peuvent gérer ça, c'est-à-dire essayer de protéger leur foi en fréquentant des personnes qui sont en cheminement, même si c'est une autre foi. Et aussi fréquenter, s'ouvrir aux personnes qui sont athées, par exemple. Merci. Ça, c'est une bonne question. Et la réponse, elle est celle-ci. Être bien entouré, ça ne veut pas dire se fermer. Il faut être bien entouré et rester ouvert. Bien entouré, c'est... Il y a des gens de notre entourage qui proviennent de différents horizons, qui sont en chemin. Ça peut être des co-religionnaires, des musulmanes et des musulmans. Et ça vous aide à alimenter votre foi. Mais en même temps, il faut rester ouvert. Pourquoi ? Parce que beaucoup des interpellations que vous avez qui viennent de gens qui ne sont pas de votre foi, ils vous aident. Ce sont des miroirs qui sont... Vous savez, moi, je suis né en Suisse. Je viens de l'école laïque. Et j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout de ma religion. Moi, à Genève, ce n'était pas du tout... À l'époque, quand je suis né et quand j'ai vécu là-bas, on n'était pas du tout dans... Mais ça n'avait rien à voir. Nous, on était une minorité, des citoyens musulmans complètement isolés. Moi, j'étais très isolé. Mais j'ai énormément appris de mon contact avec des gens qui n'étaient pas de mon horizon. Et moi, j'ai eu à m'isoler parce que je n'avais pas de gens qui étaient de mon entourage. J'étais dans la lecture et dans le sport. C'est ça qui me protégeait. Et en même temps, j'étais en contact avec des gens qui m'ont énormément apporté. J'ai vu des chrétiens qui étaient engagés. J'ai vu des gens qui étaient... qui étaient même sans foi, mais qui avaient des principes. J'ai vu des gens qui se battaient pour des principes et pour des luttes, pour des causes, et ils m'ont énormément apporté. Donc, être bien entouré, ça ne veut pas dire s'enfermer. Le meilleur des entourages est toujours celui qui a des fenêtres où vous pouvez regarder et vous pouvez rester ouvert ou vous devez même sortir. Dans le texte de la philosophie du pluralisme, malheureusement, les musulmanes et les musulmans lisent peu ce texte. Certains parce qu'ils pensent que c'est pas assez islamique. Un texte musulman, ça doit parler de l'islam pour les musulmans. Non, et moi j'ai pas cette logique-là. J'ai écrit un texte qui a surpris beaucoup de monde, ça s'appelle L'autre en nous, pour une philosophie du pluralisme. Ce que je dis, c'est que c'est comme les fenêtres qui regardent sur l'océan. La première chose qui est la plus difficile, on regarde toujours l'océan au travers de sa fenêtre. Le premier pas qui est le plus difficile, c'est Ella Maillard qui disait ça. Ella Maillard, c'est une femme qui a énormément voyagé. Et je prends le voyage comme le fait de s'ouvrir sur le monde. Elle dit, vous savez ce qui est le plus difficile ? C'est pas de voyager. Le plus difficile, c'est les premiers pas qui vous amènent à la gare. C'est-à-dire les premiers pas qui vous font sortir de votre fenêtre. Et donc, elle dit, elle invite à ça. Et je pense que c'est essentiel. Cette expérience du décentrage, d'aller voir chez d'autres, ça veut dire être entouré par des gens qui vous aident à rester vous-même, qui vous interpellent sur vous-même, et s'ouvrir sur les autres. Donc ce n'est pas contradictoire. Attention à l'entourage qui vous enferme, attention à l'ouverture qui vous fait perdre le centre de vous-même. C'est deux extrêmes dans lesquels il faut... C'est ça le voyage finalement. Avancer sans s'oublier. Voilà, un équilibre entre les deux, exactement. L'éthique et le halal, finalement on a tendance à être, quand on dit... C'est halal techniquement, dans la technicalité, mais c'est pas éthique. J'ai l'impression que ça excuse finalement des personnes à dire bon, finalement c'est halal, donc on peut continuer encore comme ça, parce qu'on pourrait pas finalement aller plus loin et dire complètement si c'est pas éthique, c'est pas halal. En d'autres termes, en quoi la technicalité prévalerait sur l'éthique finalement, et de pas mettre dans les deux conditions qui soient nécessaires, si c'est pas éthique, c'est pas halal, si c'est pas dans la règle, c'est pas halal. Dire aller plus loin et aller être plus radical de ce point de vue-là. Et un deuxième petit point, au niveau des objectifs finalement, donc on a vu qu'au niveau des maqasid, il y avait un consensus depuis Chatibi et Razali, etc. Jusqu'à quel point finalement maintenant on peut aller à développer des nouveaux objectifs, soit psychologiques, environnementaux, etc. En d'autres, comment on va avoir un nouveau consensus finalement? Parce que le but c'est d'avoir
un consensus pour pouvoir aller dans l'action et de convaincre les gens. À quel moment on s'arrête ou à quel moment on peut dire bah, ça c'est un bon objectif finalement? Est-ce que l'objectif peut varier je dirais dans son côté éthique? Est-ce qu'il peut être éthique pour l'un et pas éthique pour l'autre? Et jusqu'où on s'arrête? Bien, ça c'est des très très bonnes questions et on est au centre de cela au niveau du centre en tant que tel. Alors, moi je vais vous dire une chose. Dans le texte La Réforme Radicale, j'ai proposé une nouvelle charte de nouveaux objectifs qui sont beaucoup plus spécifiques que ces 5 ou 6. Et dans le débat avec beaucoup de chouyour, j'ai été en discussion assez approfondie avec Cheikh Ben Baya, Cheikh Raisouni, qui sont des spécialistes. Et Cheikh Raisouni vient d'écrire un livre qui s'appelle Maqasid al-Maqasid, c'est-à-dire les objectifs des objectifs. Et donc c'est un texte intéressant et j'ai été surpris parce que dans un autre texte où il parlait de Shatibi, il était d'accord sur l'idée qu'on pouvait peut-être en ajouter. Cheikh al-Qardaoui aussi, Cheikh al-Qardari qui est ici, sont des gens qui pensent, lui il en a même rajouté deux d'un point de vue collectif parce que ses objectifs sont plutôt sur l'individuel. Et je pense qu'il y a un consensus sur les 5 ou les 6 et je pense que ce sur quoi on doit travailler, c'est, je m'en suis rendu compte lors du dernier travail, le dernier séminaire qu'on a eu avec les 8 savants, que plutôt que de mettre en cause les 6 en disant qu'il y en a plus, il fallait beaucoup plus travailler sur la spécificité selon les domaines. C'est-à-dire, ok pour les 6 qui regroupent tous, c'est tellement général qu'on est d'accord, mais maintenant on va travailler avec des savants dans différents contextes pour travailler sur la spécification. Alors je vous donne un exemple. On a fait un travail sur la bioéthique et on est en train maintenant de produire une espèce de charte d'un code éthique islamique dans ce domaine-là, sur la bioéthique. Et on veut le faire dans les 10 domaines, en essayant d'être spécifique mais toujours général. Et on va voir. Pour l'instant, il semblerait qu'en bioéthique, on puisse être d'accord. On va le faire sur l'art, on va le faire sur la politique. La première étape de notre travail comme centre, c'est de développer sous les 6 des objectifs spécifiques pour chaque domaine, transversalement. Après, on va voir si c'est possible ou pas. Je pense qu'il y aura des tensions, je pense qu'on ne sera pas d'accord, mais on peut être d'accord sur des fondamentaux et qui permettent de dire deux choses. Les 6 principes éthiques les plus élevés, ce qu'on appelle les objectifs universels, on peut trouver des objectifs spécifiques dans certains domaines et là, on peut développer ceci. Ce qui est un peu ce que je disais dans le livre, en le proposant comme une méthode générale. Mais j'ai pu me rendre compte que même chez les maqasidiyin, c'est-à-dire ceux de l'école des objectifs, ils sont pas toujours, ils sont très très craintifs, ils disent « ne touchons pas aux 6 ». Même si moi je pense qu'il faut qu'on ajoute, mais je suis assez d'accord au fond qu'il faut qu'on ajoute selon les domaines. Pourquoi vouloir rajouter? Ceux-ci sont les 6 pour tous, et dans les domaines maintenant il faut aller spécifiquement. Deuxième des questions, si je reviens à la première question que tu avais, j'ai été très critiqué dans la réforme radicale, parce que je dis, effectivement, quelle est la viande la plus halal? La viande qui a été égorgée selon les principes islamiques seulement, ou une viande qui provient d'élevage, où ça a été un élevage bio, on respecte l'animal, on respecte sa survie, et on va jusqu'au bout, et au bout du compte, parfois il est tué selon les règles strictes et parfois pas. Qu'est-ce qui est le plus halal du point de vue éthique? Et là, je me suis fait recevoir par un certain nombre de savants et par un certain nombre de personnes qui disent « tu ne peux pas dire ça ». Chez les savants, on ne peut pas admettre qu'une viande soit halal si elle ne respecte pas les règles de l'abattage. Même s'il y a une grande différence entre les savants, entre ceux qui disent « on peut manger la viande des gens du livre » et d'autres qui disent qu'on ne peut pas. Donc on n'ira pas jusqu'à ça, jusqu'à ce que tu proposes. Et d'un autre côté, ils sont tous d'accord pour dire il faut qu'on pose des questions éthiques. Et donc par exemple, moi je suis, le siège est au Qatar, et on a appris, mais des choses très graves. La nourriture qui vient d'Australie, ou qui vient de l'Asie, et qui arrive au Qatar, ça se fait par bateau, et les animaux... Le bétail est mis dans la cale et ils arrivent en bateau. Dans le chemin qui les amène d'Asie au Qatar, la moitié des animaux meurent.
la moitié dans certaines circonstances, dans certaines situations, et c'est plus qu'une fois sur 10, c'est pratiquement dans la moitié des cas, la moitié meurt. Ça veut dire qu'en fait, la moitié des animaux sont mis dans des cales à bateaux, dans des conditions de vie et de survie et de maintien pour arriver au Qatar absolument indignes, inacceptables. Et ils meurent. Et finalement, on va abattre le reste en disant ça c'est la viande halal. Ceux qui sont morts sur la route, ben c'est, en langage cynique, dommages collatéraux. C'est pas acceptable. Éthiquement, on peut pas faire ça. On peut pas mettre des animaux dans des conditions absolument inhumaines et indignes dans un bateau en sachant qu'ils vont mourir et quand ils arrivent, eh ben, ils vont faire partie de l'abattage rituel. Donc on doit se poser la question éthique en amont. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les spécialistes, parce que les savants, eux, ils viennent avec juste la formule, la fatwa. Eh bien, il faut les interpeller là-dessus. Maintenant, on va établir une charte éthique sur le traitement des animaux quand ils concernent la nourriture et la consommation de la viande. C'est pour ça qu'on la traite. On parle aussi de nourriture, pas simplement de viande. Notre fil, le chantier, c'est la nourriture. Comment on se nourrit? Parce qu'il y a des situations de traitement. Parce qu'il y a ça, mais il y a en même temps toutes les boissons où il y a des exploitations des gens. Il y a des boissons que vous buvez aujourd'hui très simplement en France qui sont basées sur l'exploitation d'individus, femmes et hommes, dans des situations absolument abominables et qu'on ne peut pas accepter. Et on boit parce que c'est les transnationales, c'est les multinationales qui ont de l'argent. Donc il faut qu'on vienne avec une charte. Mais on arrivait aujourd'hui à dire l'esprit et l'éthique de la production est plus importante que la règle, on n'y arrivera pas et les savants ne sont pas d'accord. Comment est-ce qu'on les met d'accord? C'est le but et c'est là où il faut qu'on ouvre un chantier. Et moi j'appelle ça une réforme radicale, c'est-à-dire véritablement changer la perception des ulama en leur disant vous ne pouvez pas continuer à venir nous dire des règles quand le comportement est aussi contradictoire avec les règles qu'on défend. Wallahu a'lam. Je pense que tu as entendu parler de la loi concernant l'étourdissement de l'animal au moment de l'abattre. On étourdit l'animal en fait, la volaille surtout. Il y a une nouvelle loi qui est passée qui fait qu'on endort la bête au point où lors de l'abattre, elle est endormie. Donc pour moi, selon ma réflexion, je dirais que cette viande, elle est halal. Donc je voudrais avoir ton avis sur ce sujet. Et ça veut dire quoi, selon ma réflexion, basée sur quoi? Parce que je pense que... Quel est le rapport avec le fromage de chèvre? C'est parce qu'en fait, il est parti au-delà de halal et haram. Enfin, c'est ce que je pense. Il a fait abstraction du halal et haram et il a évité, entre guillemets, les conflits et les débats inutiles. C'est pas exactement ça dans l'interprétation du hadith. C'est pas qu'il ait minimisé la règle, mais quand on lui a présenté qu'il était un produit qui vient de la nourriture, ce qu'il met en évidence, c'est que quand on lui présente, il ne va pas faire trop de problèmes quand on lui le présente au moment de manger cette nourriture. Et c'est une des attitudes que l'on a. Faites attention à ne pas poser trop de questions quand on vous présente les choses, parce que finalement vous allez tout arrêter. Donc c'est une attitude de facilitation en face des choses. Ça n'empêche pas qu'il faille en amont être assez clair sur les choix que l'on fait. Alors les choix que l'on fait sont les suivants. Il y a des savants aujourd'hui qui mettent en évidence que la viande des gens du livre, elle est halal. Donc vous pouvez manger la viande et aux États-Unis, il y en a beaucoup qui prennent cette décision-là et elle existe. Et il y en a qui sont aujourd'hui liés à ce qu'on détermine comme la viande halal, très stricte et qui serait l'abattage rituel musulman. Et ce qui est l'opinion majoritaire des savants, c'est que l'étourdissement n'est pas islamique. Pourquoi? Parce que, en termes de pourcentage, le pourcentage de la volaille, pas des bovins ou des. Le pourcentage des animaux de petite corpulence, eh bien, de mort, est supérieur à la norme qu'on peut accepter, et donc on l'évite, et donc on n'est pas pour. Donc il y a des savants. Alors attendez. Ça, il y a certains qui se disent, entrer dans ceci, ça n'est pas juste. Et vous avez certains qui sont très stricts ici en France, AVS sont très stricts et le refusent.
et en cela, ils suivent l'avis le plus exigeant et qui réunit le plus grand nombre d'opinions. Maintenant, vous en avez d'autres qui disent « Non, on doit pouvoir l'accepter parce que le pourcentage n'est pas aussi important que ça, donc on peut l'accepter, même si effectivement il y a des animaux qui meurent. » Parce que la question est l'habitage doit se faire sur un animal qui n'est pas mort. Donc vous avez ces différentes opinions. Donc ce n'est pas aussi simple, moi je pense que je peux le manger. Vous avez différentes opinions et de ce point de vue-là, il faut les étudier. Maintenant, on a des législations en Europe qui vont jusqu'à imposer ceci et qui l'imposent partout. Et donc là, il y a des positions qui sont prises par un certain nombre de savants. Ça va loin, puisque la Turquie est allée dans ce sens-là, la Malaisie sont allés. Ce sont des pays qui sont allés dans ce sens-là. Et certains résistent en disant, attention, pourquoi est-ce qu'ils vont dans ce sens-là? Parce qu'il y a aussi des questions de business, il y a question d'argent, c'est des sommes extraordinaires. Donc, faut pas rentrer simplement dans ce débat par la petite porte de savoir est-ce que c'est strictement halal ou pas. Il faut voir pourquoi certains aussi l'acceptent. Et là, il faut prendre une position. La position, c'est je ne le mange pas parce que je pense vraiment que selon les données que j'ai, eh ben ça n'est pas possible. Ça, c'est des dispositions. Vous pouvez maintenant prendre la position la plus exigeante qui met tout le monde d'accord ou après prendre une position qui est celle que vous trouverez des savants qui acceptent ta position en disant c'est vrai. Et vous en avez d'autres parmi les salafs qui sont très, très, très peu exigeants sur ces questions-là. Et qui disent, non, c'est la viande des gens du livre, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas d'accord sur la caractérisation ou la définition de ce qu'est halal en termes de viande. Nous ne sommes pas d'accord sur les conditions. Nous sommes d'accord sur les conditions les plus strictes, mais ensuite, comment ça se décline, il y a des désaccords. Donc voilà, maintenant, c'est un choix qu'il faut faire. Et peut-être qu'il faut pousser, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il faut pousser non pas simplement sur la technicité de l'abattage, mais sur la qualité de la viande que vous mangez. Il faut aller plus loin, poser la question de savoir est-ce que finalement, d'un point de vue éthique, il suffit de poser cette question et de manger sans se poser d'autres questions, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Moi, c'est ça la vraie question aujourd'hui. Vous savez, quand par exemple vous allez dans les fast-foods, et que vous mangez de la viande, il faut vous rendre compte de ce que c'est que la politique de cette viande-là en matière de traitement des animaux, en matière du défrichage, en matière du rapport à la nature. Tout ça, c'est une philosophie de « on défriche pour pouvoir mettre les animaux, on prend leur viande, on les maltraite et ça donne aussi du fast-food ». Peut-être se poser la question de savoir, cette nourriture-là, en termes de qualité éthique, elle est problématique. Wallahu a'lam. Dernière question. Salam alaikum. L'islamophobie prend beaucoup d'ampleur en France. Comment pouvons-nous agir contre ce phénomène et comment chacun d'entre nous peut lutter contre ça? Je sais que vous avez abordé ce point lors de votre conférence hier, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce qui n'est pas tout à fait lié au sujet, ou on peut dire l'éthique de la lutte contre l'islamophobie, Allah, comme ça on le ramène. Bon, moi j'ai beaucoup parlé de ça. J'ai beaucoup parlé de ce phénomène-là. J'ai écrit, hier matin, j'étais dans un autre colloque ici, on m'a posé la question justement de parler de ceci et des causes. Et là, il faut qu'on soit... D'abord, je vais vous donner une réponse la plus complète possible dans le peu de temps qui m'est imparti, puis après on arrêtera, Inch'Allah, d'accord? On arrête après? Si, la dédicace, mais on arrête les questions parce que j'ai plus de voix. D'accord. Ok, donc on fera une dernière question, puis après on s'arrête, mais je vais juste répondre à ça. Premier des éléments, toute la question de savoir est-ce qu'on utilise le terme ou pas. Certains ont dit qu'il ne faut pas utiliser le terme d'islamophobie, il faut utiliser le racisme anti-musulman. Moi, je n'ai aucun problème à utiliser le terme qui, contrairement à ce que disent certains des intellectuels ici en France, Bernard-Henri Lévy à Caroline Fourest ou d'autres, en disant c'est les Iraniens qui ont inventé le terme, ou comment est-ce qu'il s'appelle enfin bref. C'est faux. Le terme vient d'un engagement au niveau des institutions européennes comme au niveau des institutions britanniques qui ont développé une recherche sur l'islamophobie déjà dans les années 94. Le Runnymede Trust en Angleterre avait parlé de ceci. Puis ensuite, vous avez dans l'Observatoire du racisme et jusqu'aux Nations Unies, le rapporteur pour les Nations Unies sur la question de la judéophobie, de la christianophobie et de l'islamophobie, Doudou Dien,
était le rapporteur pour les Nations Unies. Donc c'est un terme qui est dans les institutions internationales. Donc aucun problème. Maintenant, il faut qu'on soit clair sur ce dont on parle. Est de l'ordre de l'islamophobie une femme ou un homme qui critique l'islam et les musulmans parce que c'est l'islam et parce qu'ils sont musulmans dans un processus d'essentialisation. Non pas qu'on critique certaines de leurs croyances, ils ont le droit, certaines de leurs pratiques, ils ont le droit, mais stigmatiser les personnes dans leur religion pour ce qu'ils sont, comme on stigmatise les Noirs dans leur être pour ce qu'ils sont, c'est inacceptable. Ça, ça s'appelle du racisme et nous plaçons ce racisme-là dans le même échelle que tous les autres racismes, anti-noirs, l'antisémitisme. Tous les racismes, nous les refusons, celui-ci est un nouveau type de racisme. Une fois qu'on a dit ceci, il faut qu'on définisse bien les termes et qu'on se pose la question de savoir ce qui est en train de se passer en Occident et dans certains pays. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est l'émergence, à cause de quatre raisons, d'un populisme et de causes de l'islamophobie qu'il faut identifier. Il faut une typologie des islamophobies, une typologie des comportements. Il y a des femmes et des hommes, aujourd'hui, dans le monde global, l'immigration, la violence. Parce que je vous le dis, quelqu'un qui regarde la télévision française, avec le battage qu'il y a, ou qui lit les médias, et qui n'a pas peur de l'islam, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Tout ce qu'on dit de l'islam, c'est à faire peur. Donc, il y a la violence et l'extrémisme. Il y a, de ce point de vue, quelque chose aussi qui est la nouvelle visibilité. Et la nouvelle visibilité des musulmans par la présence vestimentaire, par la couleur, par les noms, par les minarets, par les mosquées. Tout ça, ça fait peur. Ça veut dire que c'est une présence qui s'installe. Et vous, vous pensez, on est français, on s'installe, on est citoyen, vous pensez que ça va réconforter. Mais dans un certain type de discours, ça fait encore plus peur. Parce que vous êtes en train de vous installer, mais pour faire quoi? Quel est votre but? Et la quatrième cause qui peut être aussi liée à ça, c'est l'émergence du populisme. Et le populisme va être l'instrumentalisation de tous ces éléments-là. Vous avez des citoyens aujourd'hui en France qui ont peur de l'islam. Et vous savez ce que disait l'un des rédacteurs du Point, comment est-ce qu'il s'appelait ? Il avait dit « je suis islamophobe ». Ah, j'ai oublié son nom. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Il avait dit ceci. Moi, un de mes amis avocats à Genève avait dit « Moi, je suis islamophobe au sens littéral du mot. Islam, et j'ai la phobie. C'est-à-dire ils me font peur. L'islam me fait peur et les musulmans me font peur. Je suis islamophobe littéralement. » Et il avait provoqué en disant « Ben oui, j'ai peur de l'islam. » Et là, il faut qu'on fasse très très attention, le terme veut dire littéralement ceci, et on doit reconnaître qu'un certain nombre de vos concitoyens en France est en Occident ont peur de l'islam, parce qu'ils pensent que l'islam est une religion expansionniste, parce qu'ils pensent que nous sommes violents, parce qu'ils pensent que nous sommes là pour convertir les gens. Et à ces concitoyens, il faut que nous ayons une présence de dialogue et de construction. Leur peur vient d'une certaine ignorance et d'une certaine suspicion, d'un manque de confiance. Et avec tous les médias, le battage, c'est de créer le manque de confiance. Donc là, il ne faut pas commencer à leur parler à eux en allant vers eux en leur disant « Vous savez quoi? Vous êtes un raciste. » Non, il a peur. Bien sûr que la peur peut produire du racisme. Mais avant de dire de quelqu'un qu'il est raciste, il faut analyser les peurs qu'il peut ou qu'elle peut avoir. Et donc ça, il faut le traiter à un certain niveau. Il y a un discours par rapport aux citoyens ordinaires qu'on doit développer, qui est beaucoup plus un discours de visibilité constructive et de communication pour faire mieux connaître. Là, vous êtes tous des médias. Chacun d'entre vous, là où il vit, est un média, c'est-à-dire il est un transmetteur de connaissances. Maintenant, il y a une islamophobie qui est l'instrumentalisation de cette peur. Et ça, c'est ce que font les populistes. Les caractéristiques du populisme, c'est quatre choses. Un, ils ont une binarité. Il y a eux et il y a nous. C'est le discours ancien du Front National qui maintenant s'est répandu partout dans les partis ordinaires. Il y a nous les Français et eux. C'est vrai qu'ils sont Français, mais comme ils sont Français musulmans, le « mais l'islam », c'est moins français. Donc ils sont Français,
mais pas tout à fait. Ils sont et on leur demande est-ce que tu es musulman ou tu es français. Ça, c'est un travail sur des citoyens étrangers. Ils sont citoyens, mais pour qu'ils deviennent vraiment citoyens, il faudrait qu'ils perdent cette étrangeté. Il faut qu'ils fassent oublier leur islamité. Dans le sport, dans la culture, ça va. Mais dans la vie ordinaire, il ne faut plus qu'on le voit. Deuxième des choses, donc un, c'est eux et nous. Deuxième des choses, c'est le caractère simpliste de leurs réponses. À des questions complexes, ils apportent des réponses simplistes. C'est-à-dire, en fait, tous ces problèmes, on les a à cause d'eux. Donc, dans la campagne électorale, sur les questions de la sécurité, je veux dire, on a des problèmes économiques, mais incroyables, et on nous dit, qu'en est-il de la viande halal dans les cantines ? Ah, ça, c'est une vraie question. La France va être sauvée par le halal dans les cantines. Alors que, qu'en est-il de dans les écoles Mais écoutez, la France, son problème, c'est la justice scolaire. C'est des écoles dans les cités. C'est un travail d'encadrement social. C'est ça le problème. Et là, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils islamisent tous les problèmes sociaux. Vous voyez, quand ils finalement... C'est le problème d'identifier un autre. Cet islam est le problème. Et le problème, c'est que beaucoup de musulmans tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège d'islamiser les problèmes sociaux. Non, ce n'est pas un problème d'islam, la violence dans les banlieues. Ce n'est pas un problème d'islam, l'échec scolaire. C'est un problème de politique scolaire. C'est un problème de politique sociale. Donc c'est là qu'il faut qu'on soit clair. Donc eux, ils instrumentalisent l'autre. Troisième des caractéristiques du populisme, c'est nous sommes des victimes. Donc attention, vous marchez dans la rue, ils prient dans la rue, ils nous envahissent. Nous sommes les victimes potentielles de leur colonisation lente. Parce que c'est bien connu, l'islam, en tant que tel, est expansionniste. Et vous, quand vous arrivez, vous dites, mais non, on va s'installer, on va créer des mosquées. Il dit, ouais, on a bien vu. C'est exactement ce qui se passe avec moi. Moi, je suis juste l'arbre qui cache votre forêt à vous. Quand ils me voient parler français, quand ils entendent tout ce que je dis, et ils se disent, mais ce type-là, il est dangereux. Il est même plus dangereux que celui qui va venir et qui va crier que vous êtes dit, vous êtes tous des kofars. Lui, il n'est pas dangereux. Vas-y, crie, kofar, mais oui, vas-y, énerve-toi. Ton énervement n'est pas dangereux. Mais quand tu viens et tu dis, je suis un citoyen, je vis dans cette société, je respecte la loi, je veux la laïcité, comme le dit le droit, pas une laïcité à géométrie variable, alors là, on devient dangereux. Et là, on nous dit, attention, hier, il ne parlait pas français, maintenant, il parle français. Hier, il ne connaissait pas la loi, maintenant, il parle de la loi. Hier, ils étaient dans la marge, maintenant, ils sont dans le centre. Ceux-là sont dangereux. Et là, ils développent une politique... un discours victimaire. Ils se victimisent. La République est en danger. Donc comme la République est en danger, on va ajouter des lois. On va ajouter des lois pour se protéger d'eux. D'eux, c'est qui ? Ces musulmans qui nous colonisent. Hier, la loi disait, c'est les agents de l'État qui ne doivent pas montrer un élément religieux. Maintenant, il faut qu'on le mette dans le privé. Et maintenant, il y en a certains qui parlent même de l'université. Voyez comment on ajoute et on ajoute de plus en plus restrictif. Quatrième caractéristique du populisme, c'est ce que j'appelle la politique émotionnelle. On joue sur la peur et on entretient la peur. Un, binaire, eux et nous. Deux, réponse simpliste à des questions complexes. Trois, nous sommes des victimes. Quatre, les motifs. On enregistre et on entretient la peur. Cela, c'est de l'islamophobie, qui est de l'islamophobie qui est pensée. C'est pas du tout des ignorants. Beaucoup d'entre ceux qui sont dans cette dimension-là, ils connaissent l'islam et ils vous connaissent mieux que ce que vous pensez. Ce n'est pas du tout l'islamophobie qu'on peut voir de ceux qui ont peur dans notre quotidien et à qui il faut parler, avec lesquels il faut être. C'est l'entretien d'une visée contre les musulmans avec un objectif politique clair. Et à eux, vis-à-vis d'eux, il faut que nous, on ait une politique claire. Et cette politique claire, elle n'est pas de leur répondre. Ne passez pas votre temps à répondre aux islamophobes parce que toutes leurs attaques, c'est ce que j'appelle des distractions stratégiques. Vous, vous avez un projet et chaque fois, ils vous ramènent une controverse. Vous passez votre temps à leur répondre. Il faut avoir une visée. Et la visée, c'est quoi ? Développer une présence constructive, contribuer au bien-être de la société, montrer qu'on est des agents fiers de ce que nous sommes, contribuant là où nous sommes. Voilà la bonne réponse. Et puis, ne pas se laisser faire.
tu veux aujourd'hui me discriminer, la loi sera là et je vais me battre. Je vais pas, comme la jeune fille l'a fait, je lâche pas prise. Et jusqu'en cour de cassation, la cour de cassation dit, c'est elle qui a raison, c'est les tribunaux qui avaient tort. D'accord ? Et là, quand je discutais avec Jeannette Bougrab dans le Figaro magazine, elle est en train de me dire, non, la cour de cassation, elle a tort. Elle est en froid. Mais je lui dis, mais attends, la cour de cassation, elle a, c'est le droit, c'est vous ? Et le ministre de l'Intérieur qui sort de son rôle et qui dit, ils sont allés trop loin. Non, c'est vous qui allez trop loin. C'est vous qui avez une lecture stigmatisante de la laïcité. La laïcité ne dit pas ce que vous en faites. Donc nous, il faut qu'on soit très, très clair là-dessus. Et on a plein de Françaises et de Français qui sont dans cette démarche et qui ont bien compris que c'est de la démarche politicienne, que c'est pour gagner des voix, que c'est pour répondre au Front National. Là, il faut que nous, on garde notre ligne et qu'on soit très très clair là-dessus et qu'on développe, alors là, pour le coup, des ouvertures avec des gens qui ont compris ceci. On parlait de Émile Poula, de Jean Bobereau. Ça, c'est des spécialistes de la laïcité. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes dans votre quotidien qui comprennent très bien ça. C'est à eux dont il faut, c'est avec eux qu'il faut construire l'avenir. Ne vous mettez pas dans la marche comme musulman en faisant de ça une question uniquement musulmane. Raphaël Logis, il est venu ce matin et il disait à la conscience française que vous portez aujourd'hui, votre résistance à cette islamophobie, c'est un bien pour tous les Français, pas uniquement pour vous. Et c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Tout racisme qui s'installe dans une société, tout racisme structurel qui s'installe est un racisme qui mine la société dans ses fondements et sa démocratie. Pas uniquement nous, mais la société elle-même. Donc il faut garder ça, ne lâcher aucun droit, être présent. Je veux dire, moi j'ai été, pour du n'importe quoi, parce que certains, là, aujourd'hui c'est marrant, quand je viens en France, on me dit, Tariq, tu sais quoi, t'es en train de perdre ta popularité auprès des jeunes parce que t'es au Qatar. Et on raconte n'importe quoi sur l'argent que je gagnerais ou que je gagnerais pas, ou que ce que j'ai dit hier, je serais le nouveau chantre d'un axe britannico-américano-sioniste qatari, du n'importe quoi. Et ça, des gens qui réussissent à capter l'émotion. Vous savez, je vous ai dit, le populisme, c'est attirer l'émotionnel des gens. Et vous avez des gens qui attirent l'émotionnel des Français de confession musulmane sur un seul élément, ils sont anti-sionistes. Et les gens, ils les suivent parce qu'ils sont antisionistes. Sans rendre pas compte que ce sont des gens qui soutiennent, qui ont soutenu Le Pen, qui sont dans la droite, et viennent nous présenter aujourd'hui les amis des musulmans. Non, ils sont l'ami du nombre des musulmans. Ils sont l'ami du vote des musulmans. Ils sont l'ami de la stigmatisation des musulmans. Ils sont des populistes sur ce plan-là. Et donc avec eux, moi, j'ai pas de temps à perdre. Mais d'un autre côté, ils ne disent jamais que j'ai payé le prix de mon engagement contre la diabolisation de l'Iran. J'ai toujours été critique par rapport à la politique iranienne et au gouvernement iranien. Mais je suis contre la diabolisation de l'Iran, de la façon dont elle s'est faite par les États-Unis ou par l'Europe, en disant je ne suis pas d'accord, il y a des mouvements à l'intérieur qui sont extrêmement intéressants, je soutiens les réformistes et j'ai une émission de télévision et on m'a fait payer le prix. On m'a fait payer le prix par des choses qui sont extrêmement graves. Quand un journal m'a attaqué en Hollande, séance tenante en 3 jours, alors que j'étais en vacances, en 3 jours, on m'a renvoyé de mon poste de conseiller à la municipalité et d'un poste universitaire. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, qui est-ce qui menait la danse politique en Hollande ? Les populistes islamophobes. Geert Wilders et tout ça. Et au moment de partir, je leur ai dit, écoutez, bonne chance à vous. Parce que moi, je pars, mais vous, vous restez avec Geert Wilders. Mais je ne me laisserai pas faire et je vais me battre sur le droit. Alhamdoulilah. Il y a 2 semaines de cela, eh bien, le deuxième procès a été gagné. Ça veut dire quoi ? C'est un exemple. On ne se laisse pas faire. Vous voulez le droit ? Eh bien, on va se battre. On ne va pas se laisser faire. Et puis, il y a quand même des gens, aujourd'hui, dans le droit, qui ont le droit comme référence. Eh bien, ceux-là, ils diront le droit. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Ça, ce sont des choses, on ne lâche pas prise. Et on répond, là, on doit répondre. Respectez la peur des gens en expliquant et en vivant avec eux. Répondez à la manipulation par le droit et la résistance structurée avec une vision. On ne va pas perdre notre temps avec vous. On a un projet, c'est qu'on est des citoyens, on se fera respecter et on contribuera au bien-être de la France. Vous n'avez pas entendu, on le répétera. Vous nous attaquerez, on résistera. Vous tromperez, on rectifiera. Et vous serez discriminant, on passera par le droit.
Vous n'avez pas compris, la patience fera l'engagement. Mais comme l'a dit Raphaël Loger, il faut un peu de compréhension, moins d'émotion, beaucoup de résistance, beaucoup de persévérance et de la patience. Mais il faut le faire, ça. Il faut bien le comprendre. Et ne pas se laisser manipuler par des voix qui sont populistes en nous disant qu'ils nous aiment et qu'on va aider les musulmans. Et pour ramener les musulmans en disant, vous savez, l'État d'Israël, le pire, tout ça, c'est de l'émotionnel, c'est du populisme. Il faut sortir de ça et suivre une voie qui soit une voie déterminée de justice et de courage. Donc moi, ce à quoi je vous invite, c'est une compréhension profonde et beaucoup de courage. Il faut du courage. Pas de violence, mais du courage dans la détermination, Inch'Allah. Non, moi, c'était une petite question, parce que vous avez parlé de la fin de vie, donc je travaille avec une amie, Pierre et Marie Curie. Vous pouvez mettre le micro plus loin, parce que vous avez... Oui, je travaille avec une amie, on est Pierre et Marie Curie, vous savez, pour les fins de vie. Donc ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit. Ce que j'aimerais savoir surtout, c'est quand est-ce qu'on peut mettre en œuvre toutes vos idées. Et puis tout le travail que vous faites aussi, comment est-ce que je peux expliquer aux gens tout ce que vous faites et puis le mettre surtout en application, parce qu'on a quand même beaucoup de médecins qui sont musulmans, hein, l'assistance publique. Maintenant, au niveau du cancer, on a l'assisté Pierre Salpêtrière, Saint-Antoine et Tenon qui sont ensemble. Hein. Donc, Alors, écoutez, médecins musulmans, simplement. Hein. À titre d'information. Oui, c'est une information. Non, mais ça, c'est très important. Oui. Nous, on s'est rendu compte d'un problème. C'est que dans le domaine de la médecine, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup de choses qui avaient été produites par les savants, les juristes musulmans ou les spécialistes, notamment dans le domaine de la médecine. Malheureusement, ça reste dans des livres et ce n'est pas connu du public. Dans une université, Georgetown University aux États-Unis, qui est basée au Qatar, on a un groupe qui est spécialisé dans la bioéthique et les affaires médicales, l'éthique médicale, et qui a ressorti jusqu'à 60 volumes de décisions légales dans ces domaines-là. Et on a énormément de choses. Moi, quand j'avais écrit le livre « La réforme radicale », j'avais fait référence à les 9 volumes que j'avais, sur lesquels j'avais travaillé en matière de relations. Et donc, nous, ce qu'on a décidé au niveau du centre, c'est de faire 3 choses. Un, de réunir des savants et de travailler sur des questions pointues pour développer une méthodologie. Deux, de développer avec des étudiants un réseau international de chercheurs dans les 10 domaines sur lesquels nous travaillons. Et là, maintenant, j'ai des accords, ce qu'on appelle des mémorandums d'accords, des accords sur du travail, avec l'Asie, et dans l'Asie, tous les savants qui viennent de l'Asie du Sud-Est et les organisations. Avec l'Afrique, on a au mois d'août, par exemple, le 23, 24 et 25, on a le colloque international des musulmans de l'Afrique francophone et on va y intégrer toute cette dimension de l'éthique. On a maintenant développé en Amérique du Sud et on a développé au Moyen-Orient. Donc maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est un mapping mondial où ce que l'on veut, c'est développer de la recherche par des étudiants qui travaillent dans les 10 domaines. Ce qui va nous aider pour cela, c'est un site. Et le site, il s'appelle Kyle Center, en français, il est là, vous l'avez là. Vous allez sur le site et là, vous allez vous voir le mapping des 10 domaines et sur ce qu'on va produire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec des étudiants, travailler avec des spécialistes et le site va nous permettre maintenant de toucher les populations et les citoyens ordinaires par des forums de discussion, par des textes à publier en 3 langues, anglais, français et arabe. Et donc, de ce point de vue, ça demande à chacun d'entre là d'être en contact. Et on essaie de faire toutes nos conférences internationales présentes pour tous en 3 langues et en direct par l'ordinateur, par Internet. Donc, on essaie de faire ce travail-là. Donc, les spécialistes, les étudiants et les chercheurs et le public. Et on essaie de faire ça. Par exemple, sur les questions de l'euthanasie, sur les questions des soins palliatifs, sur les questions du don d'organes, on a énormément développé de choses. Et là, on essaie de faire en sorte que ce soit accessible. Oui, parce qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Moi, j'ai travaillé sur c'est ça. Et sur le... Voilà, mais malheureusement, moi, je fais des conférences et je m'aperçois quand même... Là, par exemple, je suis allé au Maroc et j'ai fait une conférence pour l'association des médecins. Il y avait 400 médecins, on s'est vu à Marrakech, sur la question, par exemple, du traitement du cancer et comment on fait sur le traitement du cancer. Je suis allé à Fès et j'ai fait une conférence pour les médecins sur la question du don d'organes.
Et là, il y a des médecins qui pratiquent depuis des années, ils ne savent pas les réponses, ils ne connaissent pas l'éthique et les réponses qui ont été données. Donc le but, c'est la vulgarisation de ces connaissances et leur participation. Et de là où vous êtes, nous, on a aussi décidé que beaucoup de médecins, beaucoup de praticiens dans leur domaine, de confession musulmane ou non, devaient être les partenaires de ce travail. Surtout donc moi, j'invite tous ceux qui sont là aussi à faire ce travail et d'être en... Parce qu'on a beaucoup de médecins musulmans d'assistance publique. Voilà, je sais. Mais, oh oui, il y en a énormément. J'ai travaillé beaucoup avec eux. Et ouais. Malheureusement, ils ne donnent pas la parole. C'est pas eux qui on a demandé ce qu'il fallait faire. D'abord, on ne leur donne pas la parole. Eux, des fois, ne sont pas formés. Oui. Et on a des instituts ou des institutions qui sont menées. Voilà, au moment de repasser la parole aux frères et aux organisateurs, moi j'aimerais dire trois choses. La première, c'est de remercier infiniment le fait de nous avoir... Non, comment on appelle ce lieu-là ? Le stand, voilà, le stand de l'UOF. De nous avoir donné la possibilité par trois fois sur ces deux jours d'avoir trois fois deux heures et de pouvoir aller un peu plus loin que simplement la grande conférence. C'est quelque chose que le frère Falid était venu me demander entre les deux rencontres et je pense que c'est vraiment très très utile. Même pour moi, je vais vous avouer franchement que pour moi, ça est plus intéressant que la grande conférence publique. C'est pas que je choisis l'un vis-à-vis de l'autre, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir ce type d'échange un peu plus prolongé. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est d'abord de vous remercier d'avoir été si nombreux et d'avoir été si patients, parce que y a des gens qui sont venus trois fois, il y en a qui sont venus une fois, mais ça s'est toujours passé dans la discipline et l'échange, et pour ça, j'aimerais vous remercier. Troisième des choses, faites en sorte que tout ce qu'on a échangé, ce soit des portes pour approfondir davantage. Dans le domaine du centre, c'est une chose. Dans le domaine des livres, c'est une chose, parce que le but quand même de ce temps, c'est de vous pousser à lire, d'approfondir vos connaissances, et donc poursuivez ce travail-là. Quant à ce qui concerne le lien avec le centre, passez par le site, passez par mon site, vous allez directement être en contact, ça pourrait être une autre chose. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne bien que tout ce qu'on a essayé de dire, c'est que quand on sort d'ici et de ce congrès, eh bien ça puisse être un comportement, une façon, une philosophie de vie basé sur nos principes et en communication et en interaction avec l'univers autour de nous. C'est de ça dont j'aimerais également que vous tiriez profit, Inch'Allah. Que Dieu nous aide et qu'il vous protège et vous aime. Wallahu a'lam wa'ala wa'akam. Et n'oubliez pas, autant que vous pouvez, votre frère dans vos invocations. Salam alaikum. See you.